Les Palestiniens sont mis au pied du mur. Israël construira bien près de 1200 nouveaux logements dans les colonies. Le gouvernement israélien a lancé un appel d'offres ce dimanche. 3 blocs d'immeubles doivent être érigés à Jérusalem-Est et 4 en Cisjordanie. La délégation palestinienne qui s'apprête à revenir à la table des négociations de paix dénonce l'appel d'offres, je cite, comme un nouveau fait accompli. Qui fait cela, a réagi le négociateur en chef Saeb Erekat, est déterminé à nous forcer à quitter la table des négociations. Le gouvernement israélien minimise la polémique par la voix de Mark Regev. Dans chaque plan de paix depuis 15 ans, les territoires annexés ont été considérés comme faisant partie d'Israël. Alors je ne vois pas pourquoi construire sur ces territoires empêcherait le processus d'avancer. En vue de la reprise des pourparlers mercredi prochain, l'exécutif israélien se montre plus ouvert sur la question des prisonniers palestiniens. Une liste de 26 détenus a été arrêtée et ils devraient être libérés dès mardi.